Bonjour tout le monde, bienvenue. Là voici les quelques vinyles que j'ai découvert ces derniers mois sur internet principalement. Et puis j'ai une petite figurine, toute petite figurine. Mais je vais commencer par les livres. Donc j'ai trouvé un livre disque. Donc j'ai trouvé un livre disque du village dans les nuages. Bonjour, c'est moi, Émilien. Vous savez, Émilien Dubeu, le vieux bougon du village dans les nuages. Je vais vous raconter ce qui est arrivé l'autre jour à mes amis les abats. Je vois, vous êtes surpris que je dise « mes amis les abats » au lieu de « ces gros balours » ou « ces saccageurs de village ». Donc, livre 10, ça implique la petite histoire à l'intérieur. Donc, en super état, pareil et tout, je suis très content. Et le disque se trouve à la fin derrière. Donc, le village dans les nuages. Je ne l'avais pas celui-ci. Ensuite, Canoville de David Azenoff. J'avais déjà le disque. Alors à l'écoute il est pas terrible, mais bon, je pense qu'il faut que je le nettoie comme pour les bijoux avec des ondes micro, je sais pas quoi. J'ai un cousin qui peut me faire ça. Alors j'avais déjà, mais j'avais une pochette en très mauvais état comme ceci. Donc c'était pas génial. Donc je vais garder celui-ci pour moi bien sûr. Et puis dans les disques publicitaires, la cafétéria casino, nous les Gums. Téléchat également, un 45 tours de Téléchat Hacha, j'adore. Également toujours en téléchat, un livre disque. Chal, vous connaissez tous Téléchat, ses émissions prestigieuses et ses collaborateurs vedettes. À la télévision, tout paraît simple, tout paraît facile. Mais savez-vous ce qu'il m'a fallu d'astuces, de courage et de sang-froid pour éviter la catastrophe quotidienne? Je m'en voudrais de ne pas vous raconter la vérité. Donc pareil, vous pouvez l'ouvrir, vous avez toute l'histoire ici, super sympa, les photos, en très très bon état, toujours le disque à la fin, voilà, donc très 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 content de ce vinyle. Et puis en livre disque également, la licorne. Il était une fois une licorne, belle et magique. Elle vivait seule dans une grande forêt. Pourquoi, se dit-elle, n'ai-je jamais rencontré d'autres licornes? Serais-je la seule qui reste au monde? Mais c'est impossible. Nous, les licornes, nous vivons éternellement. Je l'ai écouté, donc pareil, il ne saute pas, impeccable. Par contre, c'est vrai que le son n'est pas terrible. Alors au début, il faut que je fasse nettoyer aussi également. Ça monte, ça descend, le volume du son monte, descend, c'est un peu particulier, mais on comprend tout. Donc, livre 10, alors là, donc il y a du coloriage un petit peu,
Donc vous avez les dessins, donc c'est super sympa. Par contre le disque, lui, n'a pas de pochette, n'a rien, mais il est en bon état. Donc, voilà. Puis également Tarzan en livre disque toujours. Bonjour à tous. Tarzan vous souhaite une bonne lecture. Chaque fois que vous entendrez le cri de Tarzan, cela voudra dire qu'il est temps de tourner la page de votre livre. Donc livre disque, pareil, image à l'intérieur. Alors il y a un moment où il saute un petit peu, bon, c'est pas méchant, je vais le garder quand même. Donc c'était fait par AB Productions, je crois. Oui, AB Productions, vous avez le logo ici. Le narrateur n'est pas exceptionnel, c'est pas super. Donc voilà ce que j'ai pour les vinyles en 45 tours. En 33 tours, j'en ai décoté 2. Donc je suis très content, même 3. J'ai eu le 45 tours... 45 tours. J'ai eu le 33 tours livre-disque de Heidi, 3 aventures d'Heidi. Bien sûr, il y a toute l'histoire à l'intérieur avec les dessins. Je trouve ça super. Il y a toute l'histoire, vous pouvez suivre dans le livre le disque et vice versa. Et donc ils se rangent là dans le fond ici. Donc voilà, c'est le Panini Menestrel qui faisait ça. Donc très très content. Également le 33 tours Rébus en famille. Je l'avais déjà en 45 tours, mais le voici en 33. Super. Et maintenant, mesdames et messieurs, la troupe de l'illustre signor Vitalis va avoir le plaisir de vous présenter une charmante comédie. La troupe de l'illustre signor Vitalis n'était composée que du signor Vitalis, un grand vieillard italien aux cheveux et à la barbe blanche, d'un singe très amusant répondant au nom de joli cœur, du signor Capi, un caniche tout blanc qui n'avait pas son pareil pour faire la quête en circulant au milieu de l'assistance une écuelle dans la gueule, du signor Zerbino. Super état, très content. Et puis pour terminer, j'ai trouvé un 33 tours qui reprend les génériques que vous entendez en ce moment, donc Sankukai, Albator, etc. Que j'avais déjà, malheureusement, il sautait au tout début. Il sautait à un endroit et la pochette n'était pas en super état, celui-ci. Celui que j'ai est en parfait état, celui que j'avais, vous voyez, il est celui-ci. La pochette ici est abîmée et le disque sautait un petit peu. Donc là j'ai réussi à en trouver un où ça ne saute pas du tout. Donc je suis très 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 content. Également une petite figurine, un petit lion. Tony, c'est des céréales, je ne sais plus, Crispies. Donc j'avais Chocapic déjà et celui-là. Donc j'ai... terminé, j'ai trouvé des calendriers. Et oui, je collectionne un petit peu les calendriers sur le thème de la bande dessinée ou des célébrités. Là, le calendrier almanach des PTT de 1979 avec Astérix et Obélix et Idéfix. Et de l'autre côté, également 1992, Lucky Luke. Ah, ils sont pas dans l'ordre, hein. Là, un calendrier de l'année 1980. C'est Willy l'ourson, on m'appelle Willy l'ourson. Et Mowgli de l'autre côté. Et puis, la maladie du facteur de 90,
avec Mickey et Dingo, plutôt ses amis. Et derrière, vous connaissez aussi. Je donne pas les noms, je m'en souviens plus. Ah ouais, c'est l'âge. Et pour terminer, un calendrier, un Malak du facteur de 1996 avec Spirou. Et de l'autre côté, Spirou. Dernière rentrée, donc plutôt content. Donc pour l'instant, on va se calmer un petit peu, on va attendre un petit peu la belle saison. Et puis on se revoit prochainement. Et puis donc merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas, profitez de chaque instant. On ne sait jamais de quoi le lendemain peut être fait. Je vous fais au revoir, à bientôt et au revoir et à bientôt et au revoir et à bientôt et au revoir à bientôt et à la prochaine fois. Au revoir, à bientôt, ciao. À bientôt, au revoir, merci. Ciao, ciao.